Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve aujourd'hui sur Fondation pour la suite de notre série. Et oui, après une petite semaine de repos, de vacances pour moi, on revient sur Fondation pour ce qui va être sûrement la dernière ligne droite de cette partie. Alors un émissaire, bon l'émissaire on s'en fout, oh, on y a cru, j'ai vu un nombre positif, mais non, à chaque fois qu'on recharge la partie, alors j'ai trouvé 2-3 trucs, hein. À chaque fois qu'on recharge la partie, ça remet à zéro l'argent et le bonheur a tendance à baisser un petit peu, qui est assez surprenant d'ailleurs, vu que comment il était remonté à plus de 90 et puis là il est retombé en dessous de 87 et en début d'épisode, enfin avant le timelapse que vous avez vu juste à l'instant, c'était même retombé jusqu'à 67 ou 68, donc bien bas, puis c'est remonté jusqu'à 90. Et donc a priori on est quand même pas trop mauvais au niveau de... On se tient, au niveau de la bouffe et tout, on se tient. L'événement c'est toujours la galère, mais c'est pas grave, on survit. Et alors le château, il avance bien. Il avance très très bien, il avance assez vite. Du coup je pense que ce que vous avez vu, ça va être le dernier... Ouais, ça va être le dernier je pense... Timelapse, je suis en train de réfléchir, oui, je pense que ça va être le dernier timelapse, parce que tout ça, on va pouvoir le laisser comme ça, le temps qu'on commence à décorer un peu aux alentours, vu que au final, bah, c'est ce qu'on va essayer de commencer à faire, hein, décorer un petit peu. Alors, on va aussi faire quelques autres trucs, c'est-à-dire que avant de finir cette partie, parce que là, on est quand même bientôt paré pour la fin, la prochaine update, donc la prochaine mise à jour que les développeurs sont en train de présenter petit à petit là toutes les semaines ou toutes les deux semaines va être vraiment intéressante, hein. Entre autres on va avoir la bière, on va avoir du vin, il y a quelques options qu'ils ont mis pour nous faciliter un peu la vie au niveau de l'interface et de quelques autres trucs, donc ça va vraiment être pas mal. Il y aura des chevaux, donc il va y avoir quand même pas mal de trucs et ça ce sera l'occasion de redémarrer une partie. Vu que là, on arrive quand même à quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, on nous dit qu'il y a un des villageois qui n'a pas de... d'habitation, mais a priori, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce qu'il serait visible au niveau du marché principal? J'ai peur que non, non. En général, non. Tant pis, tant pis. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, donc le château qui commence à être bien, hein. Alors, c'est vrai que on aurait pu faire encore plus haut et tout, mais j'essaye de garder quelque chose d'assez réaliste. Parce qu'il y a des gens, ça se voit hein, pas mal, il y a des joueurs qui font des trucs complètement démesurés, qui, pour la plupart, sont quand même plutôt sympathiques à regarder. Mais j'essaye d'avoir une approche, je sais pas, bon, c'est peut-être moi, c'est dans moi-même. Ça me fait mal quand je vois un truc complètement disproportionné. Vu qu'on part quand même sur un... À moins que ce soit de la fantaisie. Si c'est de la fantaisie ou si c'est du... de l'imaginaire, il n'y a pas trop de problèmes. Mais bon, quand ça reste... quand ça reste du comment... du truc plutôt réaliste, hein, parce que bon, même si c'est assez cartoon, on part quand même sur quelque chose d'assez réaliste. D'avoir des bâtiments qui font 8 fois la taille des... en hauteur, 8 fois la taille des maisons, et enfin ça fait des trucs un peu bizarres. Là je pense que dans l'ensemble on reste sur un truc assez vraisemblable. Celle-là est assez grande hein, comme église en fait, elle est même plus grande que Notre-Dame en hauteur. Mais bon, ça, au niveau des proportions ça reste quand même faisable, sachant que oui, on pourrait les mettre un peu plus grosses, vu que ces maisons sont assez hautes aussi. Un peu plus haute surtout, mais le problème c'est que voilà, vous voyez, c'est pas très large. Donc au niveau des proportions, ça ferait des trucs très fins, très bizarres. Bon, c'est à travailler pour la suite, hein, on verra un peu ce qu'on pourra faire dans les prochaines saisons. Mais dans l'ensemble, je suis quand même plutôt satisfait du look que ça a. Et surtout le château qui a vraiment une tête qui passe bien là, au niveau du village, ça fait le truc imposant. Sans être totalement débile. Donc c'est plutôt agréable, je pense.
Moi, je suis satisfait du rendu. Je ne sais pas pour vous, mais vous me le direz. Et alors, niveau des ressources, il nous reste 600, 700 pierres à ramener. On les a pas, mais on les a presque. En fait, là, ça arrive. C'est surtout sur des plus petits. Comment. Ça va être tous ces machins-là qui vont se construire au fur et à mesure. Parce qu'ils les construisent en gros. Dans l'ordre dans lequel on a placé les bâtiments quand on a fait la construction. Donc ceux-là vont arriver un peu plus tard, ceux-là ils arrivent avant. Ils sont en train de finir tout ça, donc les pierres polies qui restent c'est à ce niveau-là. Le bois, on en a largement assez. Il en faut encore 500 et quelques, on en a largement assez. Les pierres, il va en falloir un petit peu, mais a priori c'est bon, on les taille en même temps. Donc ça devrait arriver petit à petit. Sans trop de problèmes, et les outils, on est bon aussi. Donc, en l'occurrence, c'est juste une question de temps. J'ai enlevé les deux baraques qui étaient là. Donc ça, je l'ai fait hors caméra pendant que j'attendais, en fait, que les ressources viennent avant avant le timelapse du début d'épisode. Pour le coup, j'ai rajouté un petit, enfin les deux qui travaillaient là, je les ai rebalancés sur un camp de bûcheron que j'ai rajouté ici pour pouvoir couper un peu le bois qui était ici et le bois qui était là. Maintenant, ils n'ont plus rien à foutre, donc c'est pas mal. Et ça va nous permettre de poser quelques bâtiments que l'on va mettre. J'avais envie de faire quelques bâtiments en fait. Le forgeron est pas mal ici, je trouve. Ça va nous donner des trucs un peu. Là, ce seront des bâtiments qui seront pas forcément utiles, mais plutôt décoratifs. Plutôt à vocation décorative. Donc, on a un forgeron ici. On va avoir quoi? Brûleur de charbon, non. Le fer blantier qui était pas mal aussi dans le sang, dans le style. Donc, le mettre un peu plus dans le coin là. Voilà, comme ça, ça pourrait être pas mal. Donc c'est juste pour habiller un petit peu tout ce coin-là. On pourrait essayer de mettre des bâtiments ici, sans mettre forcément des mods. J'ai quoi en mode? J'en ai pas installé des masses, hein, des mods. Fontaine, signal de carrefour, arbuste, standing. Donc ça, c'est les bannières, Newgate, grande maison. Ouais, on pourrait mettre des trucs comme ça ici aussi. Ça n'a pas tout à fait le même style. On verra un peu plus tard. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est j'ai envie de voir s'il est possible de juste avant de finir la saison en fait. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait terminer. Là, vu à la vitesse à laquelle ça avançait, je pense qu'on a encore pour 2 voire 3 épisodes max pour finir ça. Il restera un épisode pour décorer avec des fleurs, des trucs comme ça. On mettra Il va falloir qu'on détruise tout ça, qu'on construise d'autres trucs à côté. On mettra des petits murets, des petites choses comme ça à côté aussi. Et on sera plutôt bon. C'est vrai qu'il y a ce muret là qu'on pourrait continuer. Du coup. Ce muret là. Si je le mets comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, moi ça me plaît. Comme ça, il est pas mal. Toi. Toi, on va te mettre comme ça. On essaiera de bouger après. Un petit peu. Et du coup, en fait, on pourrait même casser. Clore ça comme ça. C'est pas mal ici. Ça mériterait d'être un petit peu plus à côté. Voilà. Donc les dernières petites touches de décoration à droite et à gauche. Donc là, on a quand même quelques maisons qui malheureusement ne peuvent pas être simplement améliorées. Hein. Comment? Il n'y a pas la possibilité comme on avait pu l'avoir par le passé de focaliser l'amélioration des bâtiments sur juste une maison. C'est droit ça? Non, c'est pentu aussi. D'accord.
mettre ça comme ça et on va aller chercher ça jusque jusqu'ici, ça m'a l'air pas mal. Ça fait des trucs bizarres par contre. Bon, toi, en te mettant là, ce sera pas mal. Ici, c'est bien aussi. Celle-là pourrait être un peu différente. Si on la met là, ça sera mieux. Toi, pareil, si on te met là. Alors, si on te met là, il va falloir que celle-là, on la mette ailleurs. Comme ça, plutôt. Ça ira. Et donc voilà, là, c'est vraiment les dernières petites retouches en attendant que tout se finisse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, dites-le moi si vous avez, si vous voulez la map. Quand on aura fini, je la mettrai sur le... Ah, je pourrais la mettre sur comment le Discord. Enfin, vous mettre la map sur le Drive de la chaîne, sur le Google Drive de la chaîne, qui donc avec le lien sera sur le Discord. Donc vous me le dites si ça vous intéresse. Moi, ça me dérange pas de partager tout ça. C'est même plutôt intéressant de voir si par la suite vous voulez essayer de faire quelque chose avec. On sait jamais, vous avez peut-être de bonnes idées. Vous avez sûrement de bonnes idées d'ailleurs. Et si vous voulez essayer de pousser la map jusqu'à une population encore plus grande, pourquoi pas. Bon là ça fait un peu bizarre mais c'est pas grave. Et ça nous donne un espèce de petit quai, donc ça c'est dégueulasse par contre. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Voilà, et toi te mettre plus comme ça, voilà. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et donc oui, ça donne l'air d'avoir un petit quai. Surtout de ce côté-là, parce qu'en fait, si vous regardez de loin, vous faites pas trop la différence entre l'herbe et la haie, ça marque un peu la bordure. Et tout de suite, ça passe aux pierres. Donc, dans cet angle-là, si on fait pas forcément attention, on a vraiment l'impression que ça fait plus un quai que... une rive murée plutôt qu'un simple muret, en fait. Donc, pourquoi pas. Eux, ils vont construire ça, mais petit à petit, quand ils auront fini avec ça. Ça avance, hein. Vous voyez que là, on a bien avancé, on a quasiment fini. Il reste 7 tours là. Là, ils ont déjà commencé à bien avancer. Ça a été fini aussi. Donc, ça avance très très vite. C'est même plutôt pas mal. Ça avance plus vite que ce que je ne pensais, en fait. Pour être honnête, oui, ça avance très vite. Bon, après ça va être des tours qui sont assez grandes aussi sur les côtés. Ils ont déjà commencé à les construire, donc c'est bien. Mais ça va quand même faire des bâtiments à construire qui sont assez imposants, hein, en termes de ressources. Donc on va devoir attendre un petit peu. Mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Là, ça avance bien aussi. Donc oui, ça devrait être bon d'ici même la fin de l'épisode prochain. Et ce que je vais vouloir faire, donc, outre le fait de décorer un petit peu plus, d'ailleurs on va pouvoir commencer à mettre des arbres un peu. Les monastères ont quelques pots de fleurs, enfin pas des pots de fleurs mais des parterres de fleurs que l'on va pouvoir essayer de mettre aussi, qui peuvent être sympathiques. Et ce qu'on va essayer surtout de faire, c'est de mettre en place, d'inviter des moines, de mettre un petit marché au milieu. Voilà, on va créer un petit marché au milieu. D'ailleurs, vider les stocks. On va vider les stocks. Et je vais commencer à enlever ça. Et l'idée est donc de mettre un petit marché au milieu. Ça va être de fournir en nourriture tous les moines. Et en même temps, on va pouvoir commencer à essayer de voir s'ils peuvent exploiter les baies. Si on va pouvoir essayer de commencer à mettre d'autres trucs. Genre, j'aimerais bien on va avoir quand même un peu de ressources. Mais quelque chose comme... pour faire les habits, ça pourrait être pas mal. C'est quoi, un atelier de tisserand et compagnie. Donc de la laine, on en a. On imagine qu'ici, ils peuvent en importer aussi de toute façon. Là, il y en a un petit peu. Là, il y en a un petit peu aussi. Non, il n'y a pas des masses, en fait. Mais voilà, essayez de voir s'ils peuvent pas en importer.
en stocker ici et avoir les moines qui fassent leur un taf ici plus directement au niveau de du tissage de d'habits et compagnie. Et ça me permettra de voir en fait, parce que c'est quelque chose que vous avez suggéré, que certains d'entre vous avaient suggéré il y a pas longtemps, et qu'on avait vu que on avait eu ça avec le fait que Julien et Willibald ont un taf. Voilà, lui il est transporteur et Julien il est cueilleur. Ça veut dire que les moines peuvent avoir un taf. On ne peut pas leur donner directement un travail, donc ils ne peuvent pas être bâtisseurs en fait. Si on regarde, c'est le seul métier qu'ils ne peuvent pas faire, parce que c'est le seul métier qu'il va falloir sélectionner via l'écran du personnage. Donc ils ne pourront pas être bâtisseurs, ce qui peut être un peu dommage, mais c'est pas grave. Ils peuvent faire tout le reste. Donc, ça veut dire que si on emploie si on amène des moines ici, qu'on les emploie à faire tout le reste, les moines ne consomment que dalle. Hein. Ils consomment juste, si on regarde, et prenons frère Marc en exemple. Lui, ça c'est chez lui, il est plutôt content, bonheur de 75, à mon avis c'est à cause de ça. Mais il a juste besoin de foie et de baies. On a deux buissons de baies ici, on pourrait avoir quelques collecteurs de petits fruits avec des moines. On pourrait même en mettre plutôt quelques-uns. Ça pourrait être une bonne chose. Et ça nous permettrait donc non seulement de collecter des fruits pour pas cher, mais en plus, ça nous permettrait aussi et surtout de faire les autres trucs, c'est-à-dire tout ce qui va être atelier de tailleur et cabane du tisserand, sans trop se soucier du fait qu'ils aient besoin de ressources comme... Ils pourraient être boulangers aussi, ils pourraient être pas mal de trucs en fait, les moines, malgré le fait que ça coûte très cher à entretenir au niveau pécunier, on va dire, tous ces monastères. Bon là, il y a quand même de la marge. Hein. On a de la marge, on a de la capacité. Voilà. Donc malgré le fait que ça coûte très cher, ça pourrait résoudre de gros problèmes d'économie, c'est-à-dire qu'on pourrait en avoir de plus en plus d'habitants en faisant en sorte qu'ils ne consomment ni pain ni quoi que ce soit d'autre à part des baies, donc à part des petits fruits. Donc à partir du moment où ils consomment juste les petits fruits, eh ben on est content et on est tranquille. Donc pourquoi pas essayer de faire ça. Et maintenant que j'ai parlé de tout ça, un arbre décoratif, on va pouvoir mettre des arbres. Alors j'en mettrai pas là. Non, je garde tout. Alors pourquoi pas un petit arbre ici. Ici aussi. Voilà, essayer de mettre des arbres là où il n'y a pas trop d'autres trucs à mettre. Donc là on va pouvoir en mettre un là. Un là aussi. Des petits arbustes. Voilà, ça peut être pas mal. On pourra bien évidemment aussi mettre des haies, des petits trucs comme ça. Donc là, évidemment, il n'y a pas grand-chose à mettre dans le coin, si ce n'est que des petits arbustes. Ici, c'est un peu la même chose. Mettre des arbustes. Bon, celui-là, il est un petit peu devant la porte, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Voilà, on commence à rendre tout ça un peu plus joli. On commence à rendre tout ça un peu plus joli. Et puis que voulez-vous, les abeilles ont besoin d'un peu d'arbustes aussi. D'arbustes, il n'y a pas de R. Elles ont besoin d'arbustes pour butiner. Sinon ça marche pas, sinon on peut pas faire de... Sinon on ne peut pas faire de comment... De miel. Et alors, l'idée ce serait de mettre une cabane ici. On va essayer d'en mettre une ici et on va essayer d'en mettre une ici. Donc on aurait trois cabanes dans ce coin-là, un peu à l'arrière, où on mettra des moines en fait pour qu'ils viennent collecter tout ça. Il nous faudra un marché, il nous faudra quelques trucs. Une fois que ça sera fini, on relancera la machine de l'immigration. J'ai pas vraiment envie de la faire maintenant parce que sinon ça risque d'être un peu un problème.
Le pain descend, le pain était remonté à 500 et quelques, et puis là c'est redescendu une fois que j'ai relancé la construction. Enfin non, parce que c'était remonté pendant la construction. C'est bizarre, c'est un peu bizarre les effets de demande et de production. D'ailleurs, quelque chose qu'ils ont. Ce que les développeurs en fait ont fait passer un petit sondage sur Twitter, il y a. Enfin non, pas sur Twitter, mais ils ont fait passer un petit sondage il y a quelques jours, justement, pour savoir, parmi une liste de 10, quelles étaient les mises à jour au niveau de la qualité, quality of life, donc la qualité de vie ou la qualité de jeu. Donc ça va être, c'est surtout de l'interface, plusieurs trucs. Donc ils ont fait passer parmi les 10, ils ont demandé aux gens d'en choisir 5 et, sous forme de sondage. Et maintenant on connaît les 5 qui vont être disponibles. Donc il y en a quelques-unes comme la distance, comme de filtrer, genre si on veut. Alors je pourrais faire ça là. Où est-ce que je pourrais le faire? Je pourrais le faire ça ici, voilà. Donc, hop. Donc là, on voit ici, c'est habite, 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 et ils sont tous comme ça. Donc ça nous, on pourrait filtrer avec seulement des personnes qui sont au chômage, donc qui n'ont pas de comment, qui n'ont pas de travail. Il y a aussi un filtre par distance, il me semble. Donc ça, c'est une des améliorations qu'ils vont apporter. Une autre, ça va être qu'ils vont en fait avoir des zones distinctes. Alors on ne sait pas exactement comment ça va marcher, mais ça a été prévu. Donc les fermes auront des champs distincts. Donc quand on va zoner, on va pouvoir faire des zones différentes, j'imagine, et ils viendront pas empiéter sur les autres zones. On n'a pas trop trop de détails là-dessus, mais ça va arriver quand même. Quoi d'autre comme qualité de vie? Il y a deux trois trucs. Je sais qu'il y a deux trois trucs. Je pourrais regarder à la limite. Mais je ne sais plus où c'est, puis j'ai plus la page. Mais ouais. Donc en gros, on va en avoir 5. Et ce sera pas mal de trucs en plus des autres mises à jour, des autres améliorations qu'ils vont apporter. Dont le fait d'avoir des vignes. Donc ça va être très intéressant, hein. On va avoir des vignes, on va avoir deux nouveaux types de champs en fait, parce que là c'est du blé, mais on va avoir aussi des vignes pour le vin et aussi du houblon pour la bière. Car oui, on aura de la bière, on aura un type différent d'entrepôt pour les liquides a priori. Des chevaux, on sait pas encore à quoi ça va servir, on sait pas encore trop comment ça va marcher, mais c'est en train de se mettre en place, en train de se mettre en place très bien. Et on sait pas encore quand la mise à jour va arriver, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'ils travaillent de plein pied, d'arrache-pied dessus. Et c'est vraiment plutôt sympathique. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vraiment, ça fait déjà 23, 24 minutes là qu'on est sur cette vidéo. Enfin, sur cette. Pour moi, sachant qu'il y a le timelapse avant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Vu que là, on attend en fait que ça se finisse de se construire. On a quelques trucs qui arrivent ici. Là, ça se construit un petit peu. On va pouvoir embellir petit à petit. Mais dans l'ensemble, ça veut dire que dans l'ensemble, ça, on pourrait y mettre des moines aussi, j'imagine. Enfin bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve donc très très bientôt, enfin très très bientôt demain pour la suite. Et comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut!